Bakil ou BKL sur le Aim IC. Maintenant qu'elle a vu le bolide, je crois qu'elle m'aime assez. Dis-lui que je m'aime aussi. Fico pipi, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Cette équipe, c'est parti pour la deuxième vidéo actu de la journée. Elle est un petit peu courte, mais dans cette vidéo, on va quand même parler de plusieurs actus. En gros, on va parler justement de l'interview que Kalash Criminel il a donné à Rap Elite. Et il y a un message que Maes il a mis sur les réseaux et il y a plein de personnes qui l'affilient justement à l'interview. Ensuite, on va voir Haru Gangsta qui a confirmé qu'il sera dans la compile du 9-1. Pour clôturer cette vidéo, on va voir aussi Codes qui a lâché un petit pic à Maître Gims en clin d'œil au dernier son de Booba 5G. Bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et on commence tout de suite. En gros, Kalash Criminel, pour la promotion de son album, il a donné une interview à Rap Elite. Et pendant l'interview, il a parlé de son feat avec Big Flo et Oli. En gros, il a expliqué que Big Flo et Oli étaient vrais. Et il a même dit, je comprends pourquoi des mecs comme Nekfeu, Damso, Jul ou même Big Flo et Oli, qu'ils aient autant de succès. Ouais, parce que humainement, déjà, c'est des mecs attachants. Tu es obligé de les aimer, même si t'aimes pas la musique. Vrai avec soi-même. Eux, ils sont vrais avec soi-même. C'est-à-dire, eux avec eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils rappent, parce qu'ils vivent vraiment. Des mecs, ça vend des vies comme tout le monde et tout, tu vois. Des mecs, j'écoute et je crois on les connaît très bien, on connaît leur équipe, on sait que c'est faux, frère. J'arrive même plus à les écouter, les gens. C'est faux, frère. Arrêtez de mentir, oui. C'est bon, les gars. Bref, bah par la suite, Maes, il a mis un message dans sa story d'hier et il m'a même affiché moi. Et en gros, Maes, il a écrit message au rappeur. Ne confondez pas la vraie vie et votre personnage. Votre personnage est fictif. Dans la vraie vie, ça vient en bas de chez vos parents pour vous baffer quand vous voulez quitter le label qui vous a fait monter. Morale, n'oubliez pas votre passé. Ah là, donc voilà, et bah d'après plusieurs personnes, il aurait répondu à Kalash Criminel suite à ce qu'il a dit dans l'interview pour Rap Elite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. Nous, c'est les gens, c'est nous vous appelez quand vous avez des problèmes, c'est bon, les gars. Ensuite, ça, c'est vraiment une petite actu. On va parler d'Arouf Gangsta qui sera présent dans le projet du 9-1 et il l'a même confirmé en vidéo. Donc voilà, mes fans, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est pour vous confirmer que je serai dans l'album du 9-1 All-Star. Donc voilà, c'est une mixtape, c'est un album. Donc moi, je vais faire un son qui sera dans l'album. Il y aura tout le monde. T'as capté, je serai avec tout le monde. Ah là là, bref, on passe à la suite. Ensuite, on a Codes qui a lâché un pic à Maître Gims, en clin d'œil à Booba. En gros, Booba, dans le son 5G, il a lâché un pic à Gims. Et il le compare à un dromadaire. Pas de bail de dromadaire, ça stream sans Maluma. C'est gros salaire, c'est grosse audience, c'est Anouna. Codes, il a mis ce screen des classements streaming. Et il a écrit, pas de bail de dromadaire. Avec plein de smileys morts de rire. Voilà, donc en gros, là, il fait référence à Booba par rapport au son 5G. C'est trop, il y a des tensions partout dans le game en ce moment. Bref, j'étais à la télé. Équipe. Ah là là, bon, cette vidéo, elle était courte, mais remplie d'actu croustillante. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un 2, un 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Sinon, je te mens pas, c'est l'anniversaire de ma nièce, donc là, je dois encore aller chez mon frère, d'abord faire le montage de la vidéo, la publier, etc. Bref, j'ai pas fini. Comme d'hab, il y a encore deux vidéos actu qui sont prévues dans la journée, donc je t'invite à activer la petite cloche pour ne pas les louper. Voilà, moi sinon j'arrête de te casser les couilles. Il y a un rappeur qui est prévu en fin de vidéo, puis je la sors pour une veine croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Ouais, j'ai enchaîné, même moi j'ai mangé mes mots et on aurait dit que je disais pas les mots que je disais. Bref, je me suis capté. C'est les gars. Allez, que je te parle d'un truc. Naté, je suis posé dans le bas, je fais les détails des prix. Le gérant voit qu'il n'y a pas de trou, ce fils de pas précis. Amuse-toi à détourner, si on t'attrape, t'es cuit. L'ancien bosseur, trop d'amas, faisait TP gratuit. Maman pète un point, me voir entrer sa coche remplie. Mes mains sentent les billets, et puis mon caleçon de chine. La vie m'a pas fait de cadeau, tu veux que je te fasse des prix. Trop de soucis, donc le pédo, je le tâche jusqu'au fil. Des trucs. On est quatre dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Crapuleux comme végétal, je vais prendre ta vie, je vais te montrer des bératifs. On va enfumer toute ta ville. En général, je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. Allez, je te parle d'un truc. Du truc.